Honda a définitivement une très longue histoire dans les véhicules hors-route et le Honda Talon 1000X ne fait pas exception. Lorsque ce véhicule-là est apparu sur le marché, les réactions ont été instantanées de la part des utilisateurs. Ils étaient tous unanimement comblés par l'apparence proposée de ce véhicule-là. Donc, Honda est un manufacturier, oui, avec une longue histoire, et aussi une histoire un peu plus conservateur. C'est des gens qui ont une réputation de fiabilité et ils tiennent à leur modèle. Donc, le Talon 1000X nous propose vraiment un ensemble intéressant, un moteur bicylindre accouplé d'une transmission séquentielle qu'on peut opérer de façon manuelle ou automatique. Donc, pour le plaisir de l'utilisateur, c'est somme toute une machine qui est performante, mais qui est destinée à un usage très touring. Donc, pour les amateurs de balade, les amateurs qui veulent aussi un peu plus de sensations fortes, c'est un véhicule qui va pouvoir vraiment combler les besoins. On a un ensemble de suspensions, naturellement Fox, en l'avant et à l'arrière, qui sont ajustables, donc qui permettent à l'utilisateur de sélectionner son type de randonnée. Entre autres, lorsqu'on veut faire des randonnées à deux, on veut quelque chose d'un peu plus, doux. Bien, on va être capable d'ajuster les suspensions en conséquence. On a aussi un bel ensemble de jantes et de pneus qui ont un grip agressif, donc qui va convenir à toutes les formes de terrain. Ce qui frappe avec cette machine-là, c'est l'ensemble au total. On a vraiment l'impression de conduire un véhicule qui ne fait qu'un. Donc, l'assemblage est extrêmement de qualité. On voit que tout est aligné, les soudures sont irréprochables. C'est un véhicule qui propose une très, très belle qualité. Si j'avais quelque chose à mentionner au point à améliorer, les performances sont peut-être à reviser un peu. C'est un véhicule qui pourrait définitivement donner un petit peu plus, mais fidèle à lui-même, Honda propose cet ensemble-là qui est, somme toute, très, très, très complet, puis va combler les amateurs de véhicules côte à côte touring. What you gonna do, man? What you gonna do?